acte commis dans le passé se verra présenté à ta mort lors du jugement dernier. Ne t'allie pas avec le mal si tu veux avoir ta place, sinon face à ta face se trouvera l'esprit de glace. Ah, combien le suivent, combien le savent, combien l'ont oublié. Les paroles de vos aînés les avez-vous sans doute enterrées. Mais sachez qu'à tout moment des yeux vous guettent en quête de faire de votre vie une véritable enquête. Noir sur blanc, l'autre court sur vos méfaits, sur vos bienfaits. Même dans la foule, aucun de vos actes ne sera dissimulé. Autant pour moi, pour lui, pour nous, pour vous, personne n'y échappe. Cette vision ne s'avère jamais floue. De sa voix claire, nette et précise, nous ne sommes pas des messies, ni impossibles, introvertis, cherchant à ignorer toute croyance, toute écrit depuis des décennies. Ce refrain coule ainsi. Prenez conscience qu'après la vie, il y a la mort. Et qu'après la mort, il y a le jugement dernier. Oui, prenez conscience qu'après la vie, il y a la mort. Et qu'après la mort, il y a le jugement dernier. Oui, prenez conscience qu'après la vie, il y a la mort. Et qu'après la mort, il y a le jugement dernier. Oui, prenez conscience qu'après la vie, il y a la mort. Et qu'après la mort, il y a le jugement dernier. Est-ce un trouble optique, un film fantastique? Je vois les jeunes menés d'un gun pour régler n'importe quel type d'embrouille. Ça lâche les douilles, les mortels patrouillent à la fuite d'une innocente victime qui deviendra la cible. La cible, cible, ton acte sera jugé par le grand et tout puissant du jugement dernier. Derrière la traite de ta fierté qui se cache, une sale odeur de macabre, des frissons provoqués par le diable. Ton cas s'aggrave et se grave sur les mémoires de ta vie, entre le bien et le mal, à suivre l'ampleur de tes délits. C'est une imagination bien que réelle, elle nous suit. Voilà pourquoi réfléchis, réfléchis, réfléchis. Les cloches sonnent, j'avance d'un pas vers la lumière. Oh mon Dieu, oh mon frère, que vais-je faire? Ce jour-là, aucune âme ne pourra sauver ton âme. Ce jour-là, aucune âme ne te sauvera des flammes. Prenez conscience qu'après la paix, il y a la mort. Et qu'après la mort, il y a le jugement dernier. Oui, prenez conscience qu'après la paix, il y a la mort. Et qu'après la mort, il y a le jugement dernier. Constate l'ampleur de tes dégâts. Observe le mal que tu as commis ici-bas. Ta sentence en résultera et tu périras dans les flammes. Prenez conscience avant de plonger dans l'ignorance à du sujet dont on vous parle et de son importance pour toute croyance, religion à qui ne doit guère se dissocier, si ce n'est que par la pratique, que par la façon de la mettre en valeur, en vigueur la paix. J'ai comme un pressentiment d'horreur, de peur lorsque j'analyse la paix de l'autre côté obscur. Après je sais qu'il est difficile de voir la mort de près s'éloigner de ses proches, voir son corps s'éteindre à tout jamais. Ah, je suis touché comme la dot, je ne peux pas l'éviter. Ah, je suis vivé par la pensée où la mort va me projeter. Je vais devoir payer pour mes erreurs commises dans le passé. Pourtant j'ai prié, mais est-ce assez pour se faire pardonner? Prenez conscience qu'après la vie, il y a la mort. Et qu'après la mort, il y a le jugement dernier. Oui, prenez conscience qu'après